Bonjour à tous, nouvel ampli acoustique chez Vox AGA30. Voilà, un ampli à transistor avec deux canaux, un avec un combo XLR et jack qui permet de brancher et un micro aérien et puis un jack tout bête et puis le deuxième avec un jack. Possibilité évidemment d'avoir un atténuateur, d'avoir une alimentation fantôme et puis c'est ça, une alimentation fantôme. Et puis donc volume, basse, aigu et un réglage d'effet, un anti-feedback général. Et la même chose sur le canal B, donc un volume, basse, aigu, réglage d'effet. Et puis voilà, le master qui est à l'extrême droite du panneau. Un bouton pour muter toute la guitare, voilà, un truc de base. Et à l'arrière, on a une sortie directe, donc qui peut aussi servir pour un accordeur, une entrée auxiliaire ainsi qu'une prise pour foot switch. La GA30A n'est pas un ampli destiné particulièrement à la scène, plutôt un ampli de travail. Pour autant, on a quand même un volume assez agréable et assez conséquent. Et on va écouter le son à peu près droit. Je vais vous faire ça bien. Voilà, c'est droit. C'est droit aussi sur la Taylor 714 qui nous sert pour les tests. Et c'est parti. Voilà, ça bastonne déjà bien là. On a l'anti-feedback qui nous permet d'éviter d'accrocher. Et puis, ben, on peut évidemment avoir un son un peu plus brillant hein, si on pousse un peu les aigus. Et ce qui va nous intéresser ensuite, ce sont les effets. Donc, on a une reverb plus chorus et juste le chorus. Donc, chacun étant déclenchable en fonction de la position du potentiomètre. On va écouter la reverb. On peut plus ou moins doser hein, pour aller jusqu'à quelque chose d'un petit peu plus mouillé, on va dire. Et si on rajoute le chorus, évidemment ça sonne un peu plus moderne. Voilà, et puis alors si on veut quelque chose d'un petit peu plus rentre dedans, on peut monter un peu les graves, baisser les aigus. Limiter un petit peu les effets. Voilà. Et puis ça peut nous donner ça. Voilà, ben un bon petit ampli de travail. Vraiment pas cher, donc à considérer évidemment si vous cherchez quelque chose dans ce budget-là. Et en plus, il est beau.